C'est faire rentrer la vie dans la maison de retraite, quoi. C'est ouvrir la maison de retraite vers l'extérieur. Et que l'extérieur veuille bien rentrer dans cette maison de retraite, quoi. C'est de lui donner envie à l'extérieur de venir nous rejoindre, quoi. Voilà, et de pas penser que la maison de retraite, c'est un lieu fermé, où on ne fait que finir des jours. Ben non, on vit. On peut y vivre pendant 3 ou 4 ans. Et on peut vivre des choses sympas et agréables. Voilà, et c'est pas parce qu'on est effectivement dans le quatrième âge que la vie s'arrête. Au contraire, c'est une vie différente, mais ça reste de la vie. Comme beaucoup de petits villages dans les alentours de Genève, la poste était en train de malheureusement fermer. Ils essayaient de trouver et on n'avait pas de commerce du tout à Chalex. Et donc, une boutade était sortie de la part d'un des conseillers municipaux en disant bah, « Vous avez déjà la cantine, pourquoi vous ne feriez pas la poste ?» Et puis j'ai dit banco. En l'espace de 2 mois, on a monté ce projet. Et les habitants étaient très contents en fait, de faire connaissance avec la maison de retraite, hein, qui de coup est devenue un petit peu un point central. On y a installé aussi un appareil à boissons fraîches. Du coup, les adolescents du village venaient aussi, puisqu'ils avaient connu par le biais qu'ils devaient venir affranchir. Du coup, cette maison de retraite sortait un peu, n'était plus totalement isolée par rapport à ce qu'elle était, alors qu'elle était en plein cœur du village. Mais en fait, on ne franchissait pas la porte parce qu'on n'avait pas une raison de la franchir. Du fait qu'il y a une crèche qui est dans la maison de retraite, voilà, pour moi, c'est développer effectivement des relations avec d'autres personnes qui ne pousseraient pas spécialement la porte d'une maison de retraite. On a la chance d'avoir de la médiation animale avec un zoothérapeute qui vient avec un chien. On a aussi un chat qui se balade dans le jardin. C'est vraiment un énorme bienfait pour les résidents. L'idée que, parce que là aussi, les animaux sont sans jugement. Ils viennent naturellement et spontanément vers vous et quel que soit votre état, il vient vous offrir des câlins. Je pense que quand on a envie, tout est facile. Vous savez, quand on a la volonté, on peut bouger des montagnes. On est bien dans le vivre, dans le lieu de vie et le vivre. Et c'est ce qui manquait, je pense, un peu jusqu'à présent dans les maisons de retraite, qu'on voulait énormément aseptiser. On peut toujours aménager des choses. Alors bien sûr que c'est compliqué, mais si on va dans cette idée de projet de vie des personnes, je pense que tout est possible. C'est de l'énergie, mais ça vaut le coup quand vous voyez effectivement le bonheur que cela procure à la personne, qui vaut 10 fois des antidépresseurs.